Vous êtes sur RTL. J'ai dîné hier soir, j'ai soupé même, puisqu'il était très tard, et je sortais du cinéma. On est allé voir Le Traître, c'est pas terrible. Bon, alors. Dans un reste... C'est ouais, concierge qui tue. C'est quoi déjà Le Traître? Le film italien. Le film italien sur le. Bellocchio. Bellocchio. Ah oui, sur la mafia. Ouais, c'est le vieux truc sur la mafia. La mafia, c'est affreux, mais c'était bien avant. Ouais, la pieuvre. Ah oui. Et pourquoi vous allez voir ça alors qu'il y a des tas de bons films? Vous n'êtes pas allé voir le film de Nicolas Bedos, La Belle Époque? Non, la personne que je vis, elle est allée déjà. La personne que je vis. Ah, et pourquoi y est allée sans vous? Parce que c'est pas français de dire que je vis avec. Ben. Alors, si, c'est pas moi qui va te contredire. Des fois, on m'a dit, c'est la personne que la je personne vis avec, moi, je n'étais pas français. Ouais. Alors, on m'a dit, la personne. Christiane, que je puisqu'elle s'appelle Christiane. On dit non. Oh, ça balance. Dis-moi, je dis comment elle s'appelle, ta gonzesse? Maurice. En tout cas, elle doit être jeune. Elle s'appelle Maurice. Elle doit être, en tout cas, elle doit être jeune parce que Christiane, c'est un prénom à la mode quand même. Hein. Ça se dit ça comment ouais, ouais, c'est ça, voilà. Et pourquoi, alors, après quoi? Attendez. Pourquoi Christiane est allée au cinéma sans vous voir le film de Nicolas Bedos? Parce qu'elle dit qu'elle va au cinéma tous les après-midi. Ah, ben là, c'est à foutre. Pardon. C'est bien ce que je dis, elle doit être jeune. Elle me dit, j'ai 3 films de retard. Ah, je dis, ah bon? Ah ouais. Elle est enceinte? Il va être beau l'accouchement. C'est drôle, c'est drôle. Elle a pas beaucoup de chance d'être enceinte, mais beaucoup plus que Maurice quand même. Ça me fait rire. À dire des trucs que je ne pense pas. Parce que je pense que on tout, s'en le fout. Monde, tout, la... tout le monde est à ça. C'est une des dernières émissions où on peut encore dire des conneries pareilles. Alors profitons-en. Tout le monde ici, tout le monde a sa chance, même les Arabes comme lui. Voilà. Bon, alors, non. Donc, Christiane est allée voir le film de Nicolas Bedos sans vous. Bon. Oui, bon. Alors, avec qui vous êtes allé voir Le Traître alors? Avec elle, parce qu'elle peut voir 2 films dans la semaine. Ah, quand même. Oui. Ça vous empêchez, vous, de voir le film. J'ai compris. Donc, vous allez voir Le Traître. Et quel rapport avec Flora? En sortant. Une seconde. Donc, après, tu es allé souper. Et je vais aller souper. Et je retiens dans un restaurant que j'aime beaucoup, qui s'appelle la Maison du Danemark. Ah oui. Je téléphone, t'as appuyé sur la touche 2, appuyé sur la touche 3. Si vous êtes marocain, appuyez sur la touche 1. Je deviens fou, je casse un téléphone. Je rappelle, je dis allô, oui. J'ai demandé un numéro, mais en relation. C'est quel parfum? Je dis non, ici c'est le marchand de glace. Bon, bref, je n'arrive pas. Il me repense. Je fascine mon auditoire. Je les captive. Et où tu l'endors? Je les captive. Bon, si on pouvait quand même arriver à Flore parce que. Ouais. Ils vous disent oui. Aujourd'hui, le restaurant de gastronomique. Parce que vous savez, je travaille beaucoup le matin de bonne heure. Des fois, à la radio, je me fais chier et tout. Mais les restaurants, je ne regarde pas les prix. Il y a un restaurant gastronomique dans l'endroit, la maison du Danemark, qui s'appelle le Copenhague. Le Copenhague, comme le village à côté de... Bon. Donc, elle me dit, le Copenhague est fermé aujourd'hui. Parce qu'il ferme les jours fériés. Alors je dis, ah bon, c'est contre. On a perdu 400 000 auditeurs. Surtout les Danois. Déjà que les arts des choix, ils sont plus là. Vous voulez que j'arrête? Vous voulez que j'arrête complètement même le métier? On veut la fin de l'histoire en crève. Comment vous allez pouvoir payer la carte du GC à Christiane? Surtout qu'elle est en illimité quand même. Oui, et le dîner au Flora d'Annika. L'histoire d'Interflorent. Et voilà. Et on me dit, il y a de la place au Flora d'Annika. Mais c'est absolument vrai. Et je dis, à quoi? Parce que je déteste les noms étrangers, moi. Bah écoutez, moi, je suis d'origine. Alors, quand je viens à Paris, j'aime que ça s'appelle la rose nacrée ou Paulette ou un truc comme ça. La corne de gazelle. Le salon de moustache. Pardon, la corne de gazelle, tu fais exprès encore? La boulette rouge. La boulette rouge. Et on me dit, je dis Flora d'Annika. Je dis oui. C'est sur les Champs-Élysées, Flora d'Annika. Oui, mais Flora d'Annika, c'est le même que c'est la maison des Danemark. Oui. Alors moi, ce que j'aime, c'est le saumon à l'unilatéral. Oh putain, il va nous faire la carte. Oh, il va nous faire la carte et... Mais oui, et c'est amusant. Taisez-vous, je prends des notes. Alors attendez, c'est jour... Bon, c'est Pierre, on va voir la suite, mais après la pub. Alors.
petit résumé pour les auditeurs qui nous rejoindraient. Nous parlions donc de la déesse des fleurs, Flora, en latin, fleur dans sa version française, ou Chloris dans la version grecque. Ce qui, évidemment, a permis à M. Bénichoux de nous narrer son lundi soir férié dans un restaurant, si j'ai bien compris, danois. Ouais. Et on en est au moment où vous réservez chez Flora. Non, non, il est arrivé. Il a reçu la carte. Il on lui a livré la carte. Voilà. Vous êtes allé chez Flora Danica. Quel bon, suspense. D'abord, je vais au Balzac, cinéma Balzac, pour voir le train. Ah merde, il repart. Il y a un flashback. Attends, excuse-moi. On n'aura jamais la chute. Non, excuse-moi, Pierre, il faut vraiment que je me mette en condition. Alors vas-y. On en était où, s'il te plaît? Non, mais là, il dit que Flora Danica, c'est un restaurant où on a des relations en haut. C'est ça qu'il vient de dire. Des relations de quoi? Le saumon à l'unilatéral. Non. Parce que le saumon remonte. Son code. Ouais. On a des relations avec des saumons, mais c'est dégueulasse. Non, mais il m'a dit. Il a dit tout à l'heure qu'il avait des pièces en haut et qu'on mangeait un bail. Pas des pièces, ils font chambre. Ah bon? Mais ils font chambre. Ouais, ouais. Mais c'est ça qu'il voulait raconter, vous ne vous rendez pas compte. C'est normal de dire un saumon, tu montes. Hein. Pour frayer. Et tu sais, tu connais la place zoophile la plus terrible? Non. Un homme entre dans un bar. Et après, c'est drôle. Et après, il passe du coq à l'âne. Ouais. Bon, alors, donc, vous commandez votre saumon à l'unilatéral. Non. Mmh. Je regarde, je dis, est-ce que vous avez le turbo? J'attends. Oui, parce qu'il n'attaque jamais direct. Il passe toujours par le côté, comme ça. C'est son côté passionné automobile. J'adore le turbo. Mmh. Ouais, le turbo. Seulement, le turbo, c'est le fromage. C'est un poisson, n'est-ce pas? Oui, à deux vitesses. Un poisson, c'est le poisson le plus cher du monde. Ouais. Il n'y a qu'un bon turbo, c'est le dos de turbo. Il faut qu'il soit épais comme ça. Ah oui. Or, ce turbo-là, ce sont des turbos qui pèsent 18 kilos. Ah oui. Et il faut qu'il se trouve être 3 ou 4 restaurateurs de haut luxe qui achètent en même temps, parce que ce poisson est trop gros, et chacun doit savoir qu'il ne peut faire que 4 ou 5 portions. Donc, il se téléphone et il y a du dos de turbo. Je pense qu'on n'est même pas arrivé encore au saumon à l'unilatéral. Alors, je vais vous rapport avec Honoré de Balzac. Je vais vous rassurer tout de suite. Oui. Il y en avait pas. Ah. Non. Mais bien, on a évité les trois autres restaurateurs avec qui vous avez partagé le turbo. Ouais. Donc déjà, c'est bien ça. Vous cassez pas la tête. Il y en avait pas. Ah, voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bon. Je réprime une petite déception, je gifle un serveur, le plus petit, et je dis, vous avez quoi? Il dit, la saumon à l'unilatéral. Pardon? La saumon à l'unilatéral. Elle est espagnole? Non, elle est argentine. Ah! Argentine, Argentine, c'est l'amour qui vient dans ce pays. Bon, je chantonne pour lui faire plaisir. Je suis très angoissée depuis le début de cette histoire. Je ne sais pas où j'en suis. J'étais à la maison du Danemark. Après, je suis au café Flore. Après, je commande un turbo. Je ne sais plus. Je suis paumée. Mes notes, c'est n'importe quoi. Alors, il nous en servit. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les saumons à l'unilatéral? Bon, il était cuit que d'un côté. C'est le principe. Oui, c'est comme les couettes, il y a un côté été, il y a un côté hiver. Ah bon, enfin, quand même, la soirée, malgré le film qui fut mauvais, la soirée a été bonne avec Christiane ou pas, quand même? Avec qui? Avec votre compagne. Oh non, je l'avais déjà abandonné dans le taxi. Elle commençait à parler au chauffeur, je déteste ça. Je déteste parler au chauffeur, mais que la femme avec qui je parle au chauffeur, ça me rend fou. Ah, déjà. Alors elle lui dit, oh, il n'y a personne dans Paris aujourd'hui. Alors, c'est ce qu'il lui dit. Il y a des quartiers, il y a encore moins de monde. Si vous voulez, je vous amène pour rigoler. Si monsieur votre mari est d'accord, moi, le vieux con avec ma canne et tout ça, je ne dis rien, tout ça. Elle commence à lui parler. Et vas-y, je lui parle, que je te parle, que je lui parle, que je lui parle. Et tout d'un coup, il me dit, monsieur, il ne voit pas d'inconvénient? À ce moment-là, je redeviens le Lino Ventura qui ronde. Qui sommeille encore. Qui sommeille, ouais. D'un sommeil profond. C'est un Lino tapis. et le papy qui croit être, qui
dis donc, le tapis qu'il croit, le papy, il croit être un papy. Quel marchand de papy. Pardon. Oh, c'est drôle. Oui, tu peux t'excuser. Alors là, si tu veux garder ta place, arrête avec ce genre de plaisanterie. Non, mais c'est Eric Logérias. Et alors, il dit, et il me prend soit pour un mari complaisant, soit pour un vieux con. Et tu sais ce que je lui dis, moi ? Le mari, je donne Lynn comme Lino Ventura, et Gabin, c'est... C'est très radiophonique, mais en revanche, pour Paris Première, c'est pas content. Pour les caméras de Paris Première, vous pouvez dodeliner encore. Je dis le mari. Il dodeline bien. Rarement vu un mec aussi bien dodeliner. Ah ouais, il branle bien du chef. Il est dodelin d'or. Il te comptait de rentrer voir ta femme avant que je la donne à baiser à mon chien. C'est pas le but. Vous lui avez dit ça ? Non. Non, mais j'aurais dû. Bon. J'ai eu Netflix, ça les intéresse pas trop. Hein. Il y aura pas une saison 2 là. Ce sont des amis, ce sont des. Pierre. Certains disent des faire-valoir. Je crois que ce sont des jaloux. Pierre, qu'est-ce que vous avez bouffé, s'il te plaît ? Dis-nous ce que vous avez bouffé. Un saumon, qu'on en finisse. Un côté, moi j'aime que très cuit, j'ai pris tout le latéral. Ouais. Et elle a pris tout l'uni. Du saumon. Non mais il y a quand même un truc que je comprends pas. Vous avez finalement laissé votre femme partir avec le chauffeur de taxi. Non, c'est pas vrai. Ah bon. Tu sais, quand elles ont dormi là, elles bougent pas. Ça, c'est rare qu'elles bougent après. Mais elle, tu es toujours si jaloux. Pardon? Avec tes conjointes. Tu as toujours été si jaloux. Il y a quelqu'un qui me parle là? Ouais. Tu es jaloux? Je vais te refaire Lino. J'ai entendu du bruit là, on a parlé. Oh, Pierre, j'ai très très... Quel homme. Non mais est-ce que tu es toujours très jaloux avec tes conjointes? Très jaloux. Ouais, t'as déjà agressé quelqu'un par... Non, c'est une question de mentalité. Quoi. La preuve, c'est que sa compagne est obligée d'inventer qu'elle va au cinéma tous les après-midi. Avec le chauffeur de taxi.